Mars 2006, je quitte la France en direction du continent africain. Laurent, un ami mécanicien, m'accompagne. Notre projet, naviguer sur le fleuve Sénégal avec à deux chevaux Citroën. 6 000 km de route et de piste nous attendent. Pour rouler sur les pistes du Sud, notre voiture d'assistance a besoin d'un réglage de suspension. À Meknès, au Maroc, un mécanicien accepte de faire l'intervention. Après une longue négociation, un accord sur le prix est trouvé. Le patron satisfait offre le thé et nous fait visiter son garage, entièrement équipé d'ingénieuses machines fabriquées par son père. Ça, c'est 110. Ça, c'est 220 là. Ah, 220 là et 220. Du 110 ici. Ouais. Tu vois, ouais. Et je tiens, il fait rien. L'hiver s'attarde sur les reliefs enneigés de l'Atlas. Plus loin, au pied des dunes de Merzouga, le soleil réchauffe le campement et donne un air de vacances à notre expédition. Pour nous acclimater et ménager la mécanique, nous progressons lentement. Près de la ville de Tantan, le vent de la côte apporte de la fraîcheur. Nous dégustons quelques coquillages avant de reprendre la route vers la frontière mauritanienne. Gare de Ouadibou, deuxième ville et centre économique de la Mauritanie. Nouakchott, la capitale, est à 500 km par la route. Nous préférons faire un détour. Tenter l'aventure avec le train qui remonte à vide vers la mine de Zouérat. Le départ est prévu en fin d'après-midi, ce qui laisse le temps d'installer solidement les voitures sur un wagon plateforme. Une longue balade de nuit dans le désert. Une nuit qui s'annonce agitée. Les rails sont déformés. Avec la vitesse, les secousses deviennent de plus en plus violentes. Impossible de se déplacer sur la plateforme au risque d'être éjecté. Et nous devons faire tout le voyage attachés dans nos voitures. Essayer d'aller par l'intérieur, fermer la fenêtre, c'est un peu plus calme. Ah, ça, c'est une départ de Ouadibou. Dans la poussière et le vent. Là, malheureusement, on ne voit plus rien. Notre rodéo ferroviaire s'arrête à Choum. Il aura duré 14 heures.
Après quelques formalités de police, nous rejoignons Chinguetti, par Attar, 200 km de piste, pour nous remettre de nos émotions. À Chinguetti, nous restons 2 jours pour reprendre des forces et visiter la ville. Au sud du pays, la végétation attire les premiers troupeaux. La nature semble moins hostile. Nous évitons d'approcher les acacias. Leurs épines sont redoutables et font le bonheur des réparateurs de pneus. Un support d'amortisseur cassé n'empêche pas de rouler. Mais pour réparer, ils font un garage avec un poste à souder. Plus grave, la voiture d'assistance s'arrête. Panne d'électronique. Une seule solution, tracter jusqu'au village de Mbout à 50 km. Le premier essai à vide et concluant. Après quelques réglages, tout se passe bien. Jusqu'à Mbout. Toute l'équipe de Mbout. Voilà. Alors Didi, qu'est-ce que tu penses de la 2 chevaux Citroën? Elle est bonne. Elle est bonne. Elle va rentrer à Paris. Inch'Allah. Bon. J'accepte. Bah merci pour la soudure. C'était excellent. Ça va tenir, je crois. Nous n'avons pas trouvé de module électronique à Mbout. Mais les soudeurs nous ont indiqué un garage Peugeot à Célibabi. Et nous gardons espoir. Le garage est ouvert. Pour nous aider, le patron propose de commander la pièce à Bamako. Mais nous avons un doute sur le délai de livraison et nous préférons poliment refuser son offre. Avec notre attelage, nous reprenons la piste en direction de Kaï au Mali. La décision est prise d'abandonner la Peugeot. Elle finira sa vie transformée en taxi à la gare de Kaï. Après 2 jours de préparation, nous quittons la ville. Les choses sérieuses commencent. La piste qui longe le fleuve Sénégal est difficile. Ce n'est pas un problème, la 2 chevaux Citroën s'adapte. En Afrique, sa réputation de robustesse est connue. On la surnomme ici chameau d'acier. Nous passons près des chutes de Félou, peu spectaculaires, mais rafraîchissantes par 45 degrés. Les repérages se font à pied. Le niveau du fleuve est bas et les accès peu nombreux. Après 30 km de piste, nous découvrons enfin le site qui va nous accueillir le temps de notre expérience. Le village de Kakoulou est à 2 km. Et après,
ma boîte de Emily, allez. Pas lire ma boîte de Emily, allez. Emily, Emily. Idéal, les chèvres acceptent notre présence, il ne reste plus qu'à installer le campement. Le chameau d'acier va-t-il se déplacer sur l'eau par ses propres moyens? Première étape, le démontage et le retournement de la caisse. Petit René habite le village. Il est tombé amoureux de notre chantier naval et tous les jours, il vient nous saluer en allant à l'école. Le bateau prend forme. Reste à le rendre étanche et vérifier qu'il flotte. L'embarcation est instable. Je décide donc de récupérer toutes les chambres à air pour stabiliser l'ensemble. Les plaques de désensablage vont servir à consolider la partie arrière qui va supporter le moteur. Depuis le départ, nous avons parcouru 6000 km. Une petite vérification s'impose. Ensuite, il va être mis en place avec un truc de brousse fabriqué à l'aide d'un pied de chaise. La propulsion sera assurée par la barre de remorquage métamorphosée en une sorte d'hélice. La première mise à l'eau est brève, et ce sont les habitants de Kakoulou se rendant à un mariage qui nous aide à retirer l'épave de l'eau.
Les dégâts sont très importants. La vitre arrière s'est déboîtée et une tonne d'eau s'est engouffrée dans l'habitacle, faisant couler l'embarcation. Le châssis est plié, notre projet aussi. Nous sommes déçus. La nuit a été bénéfique. Au lever du jour, nous partons au village négocier des morceaux de ferraille, un poste à soudure et un groupe électrogène. Finalement, c'est avec les restes d'une vieille brouette que nous allons réparer le châssis. Petit René a retrouvé le sourire. Pour lui aussi, l'aventure continue. La vitre arrière est renforcée avec le dossier de notre chaise. La nouvelle version du bateau est conçue comme un trimaran, avec deux bras de liaison et deux flotteurs latéraux taillés dans les branches d'un vieil acacia. La mise à l'eau est proche, et les notables se sont déplacés pour assister au baptême de l'étrange navire. Le test est réussi, mais pas satisfaisant. L'hélice ne développe pas assez de puissance et nous n'avons plus de barre de remorquage pour en fabriquer une autre. Nous décidons, après 3 semaines passées au bord du fleuve, de rentrer en France dans le but de refaire des essais. En moins d'une journée, la voiture retrouve sa configuration d'origine, conforme aux normes du constructeur André Citroën. À regret, nous quittons le campement et la vie paisible du fleuve. Le petit chameau d'acier va donner un dernier coup de rein pour s'extraire du lit du fleuve et rejoindre le village où nous sommes attendus pour faire la fête. C'est promis. Nous reviendrons à Kakoulou. Voilà.
Le lendemain, avant de quitter le Mali, nous passons saluer notre ami Dédé, cheminot mécanicien à la gare de Caille. Contre quelques bières, il propose de chasser les esprits maléfiques, tenter de nous suivre sur la route du retour. Les mêmes qui, d'après lui, font dérailler le train Dakar-Bamako. Puis c'est le retour. Direction le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne. Dès notre arrivée en France, nous fabriquons une nouvelle hélice pour améliorer la puissance de notre étrange machine. Les essais ont lieu sur le plan d'eau du musée automobile de l'OEAC en Bretagne. Et cette fois, ce n'est pas une légende, la Deux Chevaux Citroën s'est métamorphosée en véhicule amphibie. I'm gonna leave you. You feel the last thing I can do for you.